Thank you.
Merci. Ouais. C'est inquiétant. Ça va bien? Ça va pas bien? Ça va bien? Ça va-tu bien? Oh, il vous reste de l'énergie. OK, on va essayer quelque chose, OK? Dans un instant, je vais dire 1, 2, 3, à go. Je veux que vous pensiez, je vais vous donner quelques secondes, oui, pas. Oups, oui. Un mot qui résume la journée aujourd'hui jusqu'à maintenant. OK? Hop, 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 hop. Pas maintenant. Pas maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Et lorsque je dis go, vous me dites le plus fort que vous pouvez, le mot qui résume bien votre journée jusqu'à maintenant. Ça va? OK. Ça va être intéressant. Je vous ai dit, vous êtes pire que les élèves. Ouais. OK, on y va. 1, 2, 3, go! Vous parlez tout en même temps, je ne comprends pas, là. On commence la première... Non, c'est vrai. Y a-t-il quelqu'un qui a... Y a-t-il un fil conducteur qui est venu dans les mots? Une autre fois. 1, 2, 3, go! OK. Je pourrais pas dire quoi... J'ai entendu mon nom, mais je sais que c'est pas ça. J'aimerais premièrement vous demander, est-ce que le poulet, c'était bon? Oui! Ouais. On peut applaudir nos cuisiniers, cuisinières, sous la direction du chef Richard Bouchard. Il y a beaucoup de personnes aussi. Je veux remercier le groupe Wesco de Claire. Et puis, ils nous ont donné fait le don du poulet. Ils nous ont prêté le barbecue pour le faire cuire aussi. On a vraiment un beau partenariat avec le groupe Wesco, avec le groupe Sunimel. Par exemple, Sunimel nous donne le poulet gratuit à la cafétéria pour toute l'année scolaire. Ouais. Ouais. On mange du poulet à tous les jours. Non, c'est pas vrai. Le gâteau au poulet est fantastique. Jus de poulet encore, mais non, c'est pas vrai. C'est tellement spécial que, évidemment, il y a beaucoup d'employés qui travaillent chez Sunimel. Les enfants viennent à l'école, donc c'est être un bon citoyen corporatif. Je pense qu'on peut les applaudir. Sunimel, le groupe Wesco, bravo, merci. Et maintenant, non, on est prêt pour une belle soirée. Il y a deux activités qui restent. La table ronde dans un instant et puis la session Ignite. Je vous souhaite évidemment de passer une bonne fin de soirée, mais avant de quitter, je vais revenir pour vous donner un petit peu les procédures pour demain, la journée de demain. Et puis, je vous souhaite évidemment de passer une excellente soirée. Puis pour la table ronde, j'inviterai maintenant Patrick Giroux à venir vous présenter comment on appelle ça, des gens qui participent à une table ronde? Des tables rondes. Les panélistes. Donc, je vous laisse en bonne compagnie avec Patrick. Bonne fin de soirée. Là, j'ai-tu une heure ou tu viens de me bouffer 15 minutes? Il te reste 12 minutes. On est pas pour une heure? Bon. OK. Bonjour tout le monde. La table ronde, cette année, j'ai décidé de l'organiser sur le changement. Le changement, pourquoi? Bien, d'abord, parce qu'en éducation, le changement, ça nous connaît. Vous changez de classe à tous les ans. Vous changez d'école une fois de temps en temps. On vous change le programme, on change votre direction, on change la moitié de la direction d'équipe, de l'équipe école. Bref, le changement en éducation, vous connaissez ça. L'autre raison, ceux qui sont venus à Claire, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est parce que chaque fois qu'on vient à Claire, on repart avec des idées de changement. Ceux que c'est leur première année, là, soyez pas surpris, Roberto l'a dit, vos discussions en vous en venant, puis vos discussions en vous en allant, ne seront pas pareilles. Moi, je me rappelle d'une année où, entre Claire et Chicoutimi, mon copilote a complètement replanifié toute sa fin d'année pour flipper sa classe. Puis, quelques semaines après, il avait flippé sa classe bout en bout. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être aussi extrême, mais le changement à Claire, c'est quelque chose qui se produit assez fréquemment. Nos invités pour la table ronde ont tous
une expérience du changement. La première personne que je vais inviter à venir s'asseoir, c'est Mme Annick Arsenault-Carter. Annick, c'est une ancienne. Tu es la première choisie. Je te laisse choisir. Les autres s'ajusteront. La seule chaise que tu peux pas prendre, c'est celle-là. Ils ont dit que c'était à moi. Okay? C'est les gars de la télé qui gèrent. Annick, c'est une... j'allais dire c'est une ancienne, mais c'est pas vrai. Annick, elle est connue à Claire. C'est entre autres une pionnière de la classe inversée. Puis elle est venue nous partager ses expériences à quelques reprises déjà sur le ici devant tout le monde. C'est une on dit twitteuse? Non, c'est pas beau, hein? Mais elle a un compte Twitter très actif. Si jamais, il y avait des nouveaux tantôt, là, ceux qui sont venus me voir pour se faire initier à Twitter, chercher Annick, elle est assez active, puis elle nous parle de ses changements, puis des choses qui se passent dans sa classe, puis dans sa pratique, donc c'est intéressant. Cette année, elle enseigne dans une école prototype pour la deuxième année. Et puis, elle est accompagnatrice en techno, donc elle va nous parler de changement. La deuxième personne que je vais inviter, c'est Mme Natacha Vautour. Tu veux la chaise noire? Bien, je vais te la prêter, ça ne me dérange pas. C'est pas moi que ça va déranger. Si c'est celle-là que tu veux, je te la donne. S'il faut que ça prenne ça pour que tu sois à l'aise, là, go. Natacha, elle est enseignante du primaire. C'est une enseignante qui a toujours travaillé avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles approches. Elle aimait ça. Récemment, ou dans les dernières années, elle a développé de l'intérêt pour les projets entrepreneuriaux, surtout pour faire rêver ses élèves et pour les accompagner en dehors de leur zone de confort, pour les aider à sortir de leur zone de confort. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de changement. J'invite ensuite, pour vous parler, M. Jean-Sébastien Reed. M. Reed est directeur de la pédagogie. J'espère que je ne le scraperai pas. Directeur de la pédagogie et de l'innovation pour l'Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes. Je pense que je l'ai eu. Dans son travail au quotidien, le changement, je pense qu'il connaît ça. Son travail, c'est d'accompagner des écoles, justement, dans le chalet, dans le changement. Hey, on sait où j'ai hâte d'aller, hein? Dans sa bio, il m'a marqué que c'est un adepte du hors-piste, puis qui n'a pas peur de relever les défis que les autres disent impossibles. J'ai des challenges pour toi, je pense, un de ces quatre. La quatrième personne que j'invite en avant pour parler avec nous, c'est M. Jeff Wilson. Okay. Lui, je l'ai invité parce que tout le monde l'a déjà vu à Claire, mais il n'y a personne qui a la chance d'y parler. Il est tout le temps occupé en train d'aider les jeunes. Tout le temps. Donc, c'est un pédagogue, un apprenant à vie, c'est un fabricant, on pourrait dire, un créateur de solutions. Hein, les jeunes, quand ils ont des problèmes, ils vont voir Jeff. C'est aussi, à temps partiel, je pense, le DG du labo créatif. Il ne doit pas avoir le temps de faire ça, il est tout le temps dans le labo créatif. Puis, il travaille sans relâche. Son but, là, pourquoi il est dans le labo créatif, c'est parce qu'il espère qu'un jour, il y a un étudiant qui va y construire une navette spatiale parce qu'il a toujours voulu être astronaute puis aller sur la Lune. C'est pas pire, c'est pas mal ça, hein? On va commencer. La première personne à qui je vais donner la parole, on va faire un 8-10 minutes par personne, puis on espère qu'il va rester du temps pour les discussions, mais aussi pour la discussion avec vous, les questions, les commentaires. On va commencer avec Annick Arsenault-Carter. Annick, tu as vécu beaucoup de changements dans les dernières années, des changements de méthode, des changements d'école, etc. Comment tu as vécu le changement, puis pourquoi tu as vécu le changement? Merci, Patrick. Bonsoir, tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Bonsoir. Merci de l'accueil chaleureux. Donc, je nous imagine dans mon salon, dans un grand salon. Ça va nous calmer un peu. Plusieurs questions nous ont été suggérées. Patrick a le don de nous mettre à l'aise et de nous dire, juste raconter votre histoire. Je sens que je la raconte depuis 2011.
Puis, je l'ai changé à plusieurs reprises aujourd'hui. À la suite de chacune des présentations, me semble, ça donne de nouvelles idées. Pour ceux qui ont déjà présenté à Claire, on est victime de notre présentation jusqu'à la toute dernière minute. Mais Audrey a accroché, m'a vraiment capté avec le mot « élément déclencheur ». Parce que quand je réfléchis à le pourquoi j'ai changé et pourquoi j'ai entamé la classe inversée, il y avait de nombreux éléments déclencheurs en 2011-2012. Le numéro un, c'était l'ennui. Je m'ennuyais dans ma salle de classe. J'étais ennuyante. Les programmes m'ennuyaient, les élèves étaient ennuyés. Donc, à un moment donné, quand toi, tu ne peux plus t'écouter comme enseignante, il y a quelque chose à faire. Il y a aussi, l'idée que j'étais fatiguée. Beaucoup plus que les élèves. Donc, quand on enseigne, vous serez, vous autres même, vous avez dû vivre la même histoire lorsque tu es plus fatigué que les élèves, lorsque tu travailles plus fort que les élèves. Moi, j'étais fatiguée d'être devant la classe, surtout. Je voulais être avec les élèves, puis on l'a mentionné aussi hier dans la présentation, Mathieu Lan l'a mentionné. Donc, vouloir être parmi les élèves, j'avais besoin de changer quelque chose dans ma salle de classe. Puis, les élèves en difficulté sont devenus de plus en plus nombreux dans ma classe. Je devais faire différemment de toute façon. Je devais changer. Donc, si pas seulement pour eux, mais pour tout le monde. J'ai découvert Twitter et j'ai découvert Claire. Donc, c'est par l'entremise de Lucie Pearson et Bernice McGraw-Leblanc. Twitter a vraiment changé ma pratique, ma philosophie, tant au niveau personnel aussi là, que professionnel. Puis, c'est vrai qu'il y a eu un boom à un moment donné. On attend pendant longtemps la formation, mais là, dans notre district, dans notre coin de pays, la formation se donnait de moins en moins. Donc, il fallait agir. Et j'ai consulté, j'ai trouvé mes personnes sur Twitter. J'ai vu que ce qui se faisait ailleurs, c'était mieux que ce que moi, je faisais en salle de classe. Puis, je me disais, ben. Pourquoi j'accepterais d'être médiocre? Moi, je suis en classe. Moi, je veux être l'experte de ma salle de classe, mais je vais consulter. Puis c'est vrai, une fois qu'on a vu comment ça se fait autrement ailleurs, là, on ne peut plus, là, je le cite mal, on ne peut plus voir comme avant. Donc, ça, c'était une autre citation. C'est vrai, c'est exactement ça qui s'est passé. Je ne voulais pas attendre. Je ne voulais pas attendre qu'on me donne la permission. Je ne voulais pas attendre, je n'avais pas le temps d'attendre. Donc, j'ai agi. Le comment est assez simple. C'est un processus chaotique. C'est ça. C'est vouloir essayer, accepter que ça ne va pas bien se passer. Mais c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de recherche. Puis c'est faire le saut, mais c'est le faire, sachant que... On va avoir beaucoup d'ajustements à faire tout au long du processus. Puis maintenant, même 6 ans, 7 ans plus tard, j'ajuste, je change. J'ai rencontré Karine tantôt, puis lorsqu'on discutait de venir à Claire, c'est pas l'endroit où tu vas venir péter tes bretelles. Parce qu'il y en a qui sont meilleurs que toi. Puis je n'ai jamais voulu le faire. J'ai toujours voulu être cette personne ressource, parce que lorsque j'ai commencé, il n'y avait pas de ressources francophones pour la classe inversée. Ma personne, c'était un professeur en Caroline du Nord, au nom de Lodge McCammon. Puis je me suis dit, bon, ben, peut-être un jour, je vais savoir pratiquer, partager, m'enregistrer, rédiger un billet, puis là, faire voir aux autres ce que je fais. Puis vous avez été nombreux en fin de semaine, puis j'apprécie, c'est touchant de savoir que vous avez copié et vous avez amélioré. Et là, je sais qu'on a réussi, parce que lorsque quelqu'un me dit « J'ai commencé la classe inversée grâce à toi » et je leur demande leur histoire, ben c'est pas du tout ma classe inversée, c'est encore mieux que ce que moi j'ai fait. Et là, c'est à ce moment-là que l'échange et le partage s'établit. Puis c'est ici à Claire que je pense que c'est mes meilleurs moments, ce sont nos meilleurs moments. Et bravo! On n'a pas posé la question, mais je serais très curieuse de savoir pour qui c'est le premier Claire cette année. Parce que c'est notre cher Mario Asselin qui a l'habitude de le faire. Vous êtes nombreux. Bravo! Donc, je vous signe un papier. Je vous le souhaite, ce n'est pas votre dernier Claire. Donc,
Je terminerai juste à dire qu'à ce point ici, il n'y a aucune raison que le changement ne peut pas s'installer dans votre salle de classe. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas consulter. Parce que si vous n'avez pas déjà trouvé votre personne, ben, c'est un défi. Je vous lance d'ici à demain au départ. Il y a sûrement plusieurs personnes ici qui vont vouloir être ce lien et cette source d'inspiration. Puis je me porte la première à le dire. Si jamais vous avez des questions, j'anime pas, venez me trouver. Merci. Merci, Annick. Je vais passer ensuite la parole à Natacha. Natacha, j'aimerais ça que tu nous parles de l'importance des choix qu'on fait pour le changement. Moi, ben, je suis Natacha Vautour, c'est mon sixième clerc, j'ai calculé ça, je suis quand même impressionnée. Je regardais les listes aujourd'hui. C'est, pour moi, le changement, c'est vraiment une décision personnelle. Puis ça fait plusieurs années que je travaille puis que je vois que le changement que je fais dans ma vie personnelle m'amène beaucoup de changements aussi au niveau professionnel. Je suis quelqu'un qui aime toujours améliorer les choses. Je suis quelqu'un qui, s'il y a un problème, ça me tanne. Je ne suis pas quelqu'un de patient. J'aime que les choses changent rapidement. Ça fait que je n'aime pas attendre. Puis ça se peut que mon projet change 15 fois avant qu'il soit vraiment mis sur pied. Puis c'est correct avec moi. Ça fait que moi, je suis quelqu'un de très passionné. Dans ma salle de classe, j'étais un petit peu comme Annick quand que je pouvais plus, j'enseignais le français, je pouvais plus voir mes élèves encercler des homophones. Je pouvais plus. Puis c'est un matin, un lundi matin à 8h15, puis eux autres, ils étaient tous dedans, là, ils encerclaient leurs homophones, puis je me promenais, puis je disais, oh, les, c'est plate, là, comme. Moi, je pouvais, tu sais, ça fait 15 minutes que la classe est commencée, là, je devrais quand même être intéressée. Ça fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé, OK, bien, si moi, je trouve ça plate comme enseignante, bien, vous autres, vous devez trouver vraiment ça plate. Puis, mes changements sont toujours motivés par un problème, puis c'est comme ça que j'aime voir les choses. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui me dérange comme ça, bien, on va trouver une façon de régler le problème. Puis je le fais dans ma vie personnelle, toujours, je mesure, comme je suis vraiment grave, je mesure, mais je me donne des pourcentages, tout est mesuré, ça c'est dans ma vie personnelle. Mais je l'ai apporté aussi dans ma vie professionnelle, à me donner des objectifs, puis à le travailler avec mes élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler les problèmes, puis comment est-ce que ça peut répondre à rendre le cours de français meilleur? Parce que je sais pas si vous savez, là, si vous vous rappelez, quand on allait à l'école, pour moi, le cours de français, c'était le cours le plus plate au monde. Puis je voulais pas faire vivre ça à mes élèves. Je voulais voir comment on peut le faire différemment, comment on peut le faire autrement. Puis une année à Claire, ils ont donné une paire de lunettes. Puis j'avais arrivé, puis je les avais accrochées au plafond dans ma classe. Puis là, ben ma classe et puis ma classe, elle est rendue mon bureau à la maison. Mes lunettes sont encore là, par exemple. Parce que les élèves disaient toujours, ben pourquoi t'as tes lunettes, madame? Mais c'est ces lunettes-là qui me permettent de voir les choses autrement. Puis je me ramenais toujours à ça pour voir comment d'autres qu'on pourrait faire pour rendre ça plus intéressant puis assurer qu'on réussisse toujours bien quand même à atteindre les résultats d'apprentissage. Puis c'était toujours ça que je voulais voir. Je voulais pas changer le curriculum de mon cours de français parce que c'était pas dans mon pouvoir. Mais je savais qu'est-ce qui était dans mon pouvoir. À moi, c'était changer la façon de le faire en salle de classe. Puis c'est pour ça que j'ai choisi d'innover ma salle de classe avec beaucoup de projets entrepreneuriaux, beaucoup de projets technologiques, mais c'était des projets qui venaient des élèves pour régler des problèmes dans notre communauté, des choses que ça allait engager les élèves. C'était pas apporter mes élèves, comme les accueillir dans la salle de classe, c'était apporter leur univers dans ma salle de classe et vice-versa. C'était que les élèves, je garde encore la citation d'un de mes collègues, parlent passionnément à la maison de leur projet à l'école. Comment que les élèves vont être contents de partager à leurs parents qu'est-ce qu'ils ont fait dans le cours de français? Puis pour moi, le meilleur accomplissement, c'était une journée, un petit gars, la maman d'un petit garçon de 8e année qui m'a envoyé un message pour dire « Hey, mon gars a demandé là, cette année de ne pas faire ses rendez-vous dentistes pendant ses cours de français. » Ça fait quand c'est rendu... Ça, pour moi, ça a été le plus beau compliment parce que ça ne le dérangeait plus d'aller au dentiste pendant ses cours de gym, mais il ne fallait pas qu'il manque ses cours de français. Puis c'est un peu aussi, ça revient à ce qu'Annick disait, c'est aller chercher avec ça pour ne pas changer tout seul. Aller chercher des amis, des collègues qui peuvent nous appuyer là-dedans. Puis j'ai été chanceuse avec Claire de créer vraiment ma tribu. Puis Twitter aussi m'a accompagnée là-dedans. Puis je suis quelqu'un qui est toujours en changement. Je suis une grande rêveuse qui, des fois, ça fait peut-être pas de sens. Mais mon plan, c'est toujours d'essayer d'atteindre mes rêves. Puis c'était ce que je prônais dans ma salle de classe. Puis cette année, j'ai vécu un gros changement professionnel. J'ai démissionné de l'enseignement du système public.
Puis quand j'ai annoncé à mes élèves que j'ai démissionné, j'ai une petite élève de 8e année qui est venue me voir, puis elle a dit, « Madame, tu nous as toujours dit d'aller pour chercher nos rêves, puis elle a dit, vas-y, tu es capable, on sait qu'on peut y aller avec toi. » Ça fait que c'est en allant chercher des situations comme ça, puis travailler sur nos passions, qu'on va développer l'engagement chez nos élèves, puis créer des bonnes relations avec eux, puis assurer que tout va bien changer. Ça peut être super déstabilisant pour nous autres, pour un conjoint quand tu démissionnes de ton emploi. Pour une famille, c'est déstabilisant. Pour des élèves, ça peut être déstabilisant pour la communauté, mais c'est ça qui fait, après ça, qui fait avancer les choses. Quand on devient déstabilisé, c'est là qu'on va plus prendre action. Ça fait que je pense que c'est vraiment important de garder ces événements déstabilisants-là, de ne pas avoir peur, de faire des grosses moves, comme on dirait, puis de travailler avec nos passions pour vraiment améliorer puis développer le changement dans le système d'éducation. Merci. Jean-Sébastien, toi, tu accompagnes les écoles au quotidien. Tu les accompagnes dans leur changement. Donc, j'ai le goût de te demander, qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on peut faire pour accompagner le changement, pour le faciliter? Merci pour l'opportunité. En réfléchissant à l'ensemble des questions que tu m'as proposées, dont celle-là, j'ai dit, je vais y aller avec quelque chose qui est proche de ma réalité, c'est-à-dire le projet entrepreneurial. Le projet entrepreneurial, d'une certaine façon, répond à une réalité dans les écoles de changement. La première qualité du projet entrepreneurial, c'est de répondre à un besoin ou à une problématique. Donc, si le changement il est là juste pour changer ou pour dire on fait les choses pour faire les choses, ça n'amènera pas la même mobilisation. Donc, ton changement doit être provoqué par une problématique ou un besoin. Ça peut être une passion, comme vous l'avez fait, mais ce que moi je remarque quand quelqu'un veut faire du changement pour réaliser une passion ou un rêve, c'est souvent quelque chose qui est centré sur l'individu. Nous, on accompagne l'école, on accompagne le changement de culture institutionnelle, donc c'est souvent plus facile d'y aller avec quelque chose qui va être plus systémique, comme un besoin, une problématique qu'on vit dans notre quotidien ou dans l'école ou dans notre réalité. Donc le point de départ, ce besoin-là. À partir du moment où le besoin est reconnu à large échelle dans l'école, c'est-à-dire de façon consensuelle par la plupart du monde, puis je dis la plupart du monde parce qu'il y aura toujours, même si tu es une petite équipe, une grande équipe, il y aura toujours des gens que je vais mettre dans la catégorie des plus résistants, c'est-à-dire des gens qui sont insécures, des gens qui hésitent, des gens qui ont peur, des gens qui n'aiment pas l'inconnu, qui vont faire en sorte de poser des questions pièges, d'hésiter ou de ne pas vouloir embarquer. À partir du moment où le problème est reconnu, mais là, tu peux te dire que j'ai une masse critique, un groupe suffisamment important pour dire « je peux aller de l'avant ». Et là, le rôle du leader, puis je dis le leader, je ne dis pas nécessairement le directeur d'école, parce que l'enseignant avec ses élèves, c'est un leader. Le directeur avec son équipe d'enseignants, c'est un leader. La direction générale d'une commission scolaire avec son équipe de direction d'école et d'école, c'est une forme de leader aussi. Donc, le leader, une fois qu'il y a un problème reconnu, son objectif, c'est de mobiliser les troupes à travers ce besoin-là qui est à combler. Et là, ça donne du sens. Puis plus c'est authentique, plus le sens est véridique, plus les gens vont avoir le goût de s'embarquer là-dedans parce qu'ils voient quelque chose qui va être important de réaliser. Donc, la cause, on peut porter l'étendard, tout le monde ensemble, de cette cause-là. Puis par la suite, mais ce que nous, on dit aux jeunes, aux enseignants, par exemple, assurez-vous que vos jeunes puissent jouer les rôles d'initiateurs, de réalisateurs puis de gestionnaires de leurs projets. Donc, si les enseignants, par rapport aux directeurs, ou les directeurs par rapport à leur direction générale, sont juste des exécutants de la tâche, ils ne s'engageront pas de la même façon, puis ils n'auront pas le goût d'aller jusqu'au bout. Mais s'ils participent à la réflexion, s'ils participent à l'élaboration de la voie à suivre, s'ils participent à la conception de l'idée, puis ils participent tout au long du processus à la gestion de tout ça, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux faire autrement, comment, à cette approche réflexive-là tout au long du processus, mais ils sont engagés. Donc, c'est des conditions qui font en sorte de davantage s'engager dans le changement puis d'avoir du plaisir à le faire. Donc, le projet, il est en élaboration, il y a un besoin consensuel, les gens sont mobilisés. Puis la mobilisation, c'est quand on pense que tout le monde est bien mobilisé, qu'il faut travailler encore plus fort. Parce que quand tout le monde est mobilisé,
puis qu'il y a quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui quitte l'école, quelqu'un... Moi, je suis certain qu'actuellement, le directeur de Natacha doit travailler fort pour remobiliser ses troupes parce que là, ils disent « Hey, notre leader est parti. » Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut travailler encore plus fort parce que l'équipe était mobilisée, il y a une cause qui était tenue par l'équipe. Là, oups, un de nos leaders part, on fait quoi? Là, on ne peut plus continuer le changement. Fait qu'il faut retravailler. Fait qu'il faut toujours être en éveil par rapport à cette mobilisation-là qui est importante si on veut aller au bout de notre démarche. Fait que nous, dans le fond, on accompagne le projet entrepreneurial comme enseignant dans sa classe par rapport à toutes ces étapes-là puis s'assurer que tout le monde ait des rôles. Puis je pense que c'est important d'impliquer tout le monde. L'autre élément, c'est la vitesse. Natacha, elle disait, je veux aller vite. Mais quand tu veux mettre un changement de culture ou un changement à plus large échelle, tu ne peux pas aller plus vite que le groupe. Donc, il faut que tu donnes du temps au temps. Des fois, on veut essayer d'aller vite, mais si le leader va trop vite, l'analogie que j'aurais, c'était un peu comme le champ de vision. Plus tu vas vite sur la route, plus ton champ de vision se rétrécit. Un leader qui va trop vite, bien, il va s'isoler, il va faire en sorte que son champ de sa portée va rapetisser avec la vitesse. Donc, il faut accepter d'aller à un rythme qui correspond à celle de notre milieu, puis accepter que ce n'est pas tout le monde qui va aller au même rythme. Il y a des gens qui vont être des fusées, puis il y a des gens qui vont être plus lents. Il faut accepter cette différence-là. Dans un changement de culture, il faut accepter aussi qu'il y en a peut-être qui n'embarqueront pas. Il ne faut pas forcer la note. On vient de souper, je ne ferai pas ma comparaison d'habitude, mais juste pour dire que quand on gave, habituellement, il se passe quelque chose après. Fait que, faut pas forcer la note. Il faut essayer de faire en sorte plutôt d'être rusé, c'est-à-dire essayer de faire de l'essaimage, avoir des vitrines positives dans l'école pour que petit à petit, les gens disent « Hein, c'est intéressant ce que tu fais ». « Ah, bien, veux-tu que je te montre? » Et là, ceux qui résistent, ceux qui hésitent, vont embarquer dans le mouvement. L'important, c'est d'avancer à un pas, de toujours progresser, mais d'accepter qu'on ne le fasse pas nécessairement tout le monde au même rythme. Puis, on est tous des passionnés ici en particulier, et quand vous allez retourner dans vos milieux, on va vous demander, puis c'était comment clair? Les gens veulent savoir. Mais c'est comme une lame à deux tranchants. Parce que, il y en a qui vont embarquer dans tes idées folles, dire « Ah là, je veux flipper ma classe, je veux faire ci, je veux amener telle affaire. » Ça va rejoindre un certain nombre de personnes. Le conseil que je vous donnerais, c'est que soyez attentifs à l'émerveillement que vous allez avoir. Parce que peut-être que vous allez éblouir aussi. Peut-être que certains de vos collègues vont dire « Oh là là, c'est trop loin pour moi. » Puis ça, ils vont se braquer par rapport à ce changement-là. Donc, il faut être réconfortant, comme un bon vieux pâté chinois. Il faut que les gens aient le goût de venir vers toi. Il faut que les gens aient le goût, quand tu veux amener du changement dans un milieu suite à une expérience comme cette semaine, il faut que les gens soient rassurés par rapport à ce que tu dis. Il ne faut pas qu'ils soient craintifs et dire « c'est trop loin de ma réalité ». Souvent, ceux qui hésitent ou qui résistent, il y a une cicatrice à quelque part qui n'a pas été colmatée comme il faut. Une blessure du passé. J'ai vécu ça il y a 20 ans. Puis là, il faut essayer comme leader, d'essayer de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a provoqué cette blessure-là. Puis, c'est pas de faire de la psychanalyse nécessairement puis finir, mais souvent, les gens réagissent négativement à un changement pour une raison bien précise. Puis, nous, on met souvent le pansement plutôt que d'aller voir la cause initiale du problème. Donc, on ne règle pas le problème nécessairement. Puis, cette réactivité-là va revenir dans le futur. Dans d'autres situations de changement, parce qu'une chose qui est constante, c'est le changement. C'est la seule chose vraiment qui ne va pas changer. En fait, il y a Valérie qui me dit, il faut que tu dises que la seule chose qui ne changera pas, c'est le rassemblement de Claire. Mais en même temps, ce qui est le plus constant, c'est le changement actuellement, surtout. Puis ce changement-là est provoqué par toutes sortes de réalités, toutes sortes de conjonctures. Donc, il faut d'une certaine façon trouver des façons d'éveiller ce changement-là dans nos milieux, puis de l'apprécier à la limite, le changement. Mais si on le fait dans le respect, dans le partage, dans l'entraide, ça va être d'autant plus facile. Puis on va y aller à petits pas, mais on va y aller. Fait que c'est le projet qu'on mène, qu'on pilote, va arriver à cet état d'aboutissement quand tout le monde va être mobilisé, tout le monde va avoir des tâches réparties,
Puis, à la fin, on va pouvoir se poser le jugement, dire, OK, est-ce qu'on a répondu à notre besoin initial? Est-ce qu'on a réglé le problème qui est à l'origine de notre changement? Puis c'est là qu'on va pouvoir, après ça, se projeter vers d'autres choses. Mais ça se sera fait dans l'implication collective, dans la mobilisation du groupe, dans l'ensemble. Merci. Jeff, je vais te poser une question qui va un peu la même question. J'ai cru comprendre que toi, tu aimerais ça changer le système, changer la manière qu'on enseigne, changer les approches pédagogiques, la pédagogie. Tu aimerais ça avoir un impact là-dessus. On fait comment? Puis c'est, en sous-question, c'est quoi les barrières qu'on rencontre? Puis c'est quoi les facilitateurs qu'on rencontre? Puis comment on fait pour profiter des facilitateurs? Puis comment on fait pour surpasser les barrières? J'ai peut-être changé d'idée, puis je vais peut-être pas répondre à ta question, mais... Ah, c'est correct, tu as le droit. Comme tu as mentionné, ça commence avec la problématique. Alors, je vous propose celle-ci. Les labos créatifs, c'est pas un endroit physique dans une école où les jeunes se rassemblent et travaillent sur des projets novateurs. C'est pas un organisme à but non lucratif avec le nom des labos créatifs. C'est un mouvement. C'est un mouvement pédagogique. C'est un mouvement qui répond à une problématique que nous autres, on prend très, 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 très sérieusement. Puis, je ne suis pas ici pour vous faire peur. Mais dans 10 ans, combien de jobs vont être partie à cause de la robotique? Combien de jobs vont être partis à cause des automobiles autonomes? Combien de jobs vont être disparus à cause de l'intelligence artificielle? Plusieurs. Alors, nos jeunes qui entrent en maternelle dans la classe de Mme Brigitte ici, quand ils vont avoir 16 ans, c'est quoi leur futur? Alors, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a mentionné, Mario, il avait dit comment est-ce qu'on peut prédire l'avenir, c'est de le créer. Alors, nous autres, on veut outiller nos jeunes, les autonomiser pour être capables de créer leur propre futur. On ne veut pas qu'ils se fassent remplacer par des robots. On veut qu'ils soient capables de créer des robots. Alors, je pense dans 10 ans, 15 ans, même peut-être plus vite, ça se pourrait qu'on regarde une société qui a deux genres de personnes. Les personnes créatives qui ont les compétences numériques pour être capables de changer et d'affecter le monde. Puis ceux qui vont être vraiment mis à côté. Puis là, moi, je n'ai pas confiance. Puis le monde que je travaille avec n'a pas confiance que les politiciens vont être capables de faire des bonnes décisions pour être capable de soutenir les services sociaux nécessaires pour tous ceux qui vont être déplacés. Alors, ça commence avec le jeune. Puis ça, c'est la problématique qu'on essaie de répondre comme organisme à but non lucratif, labo créatif. C'est pour ça qu'on a 130 quelques labos créatifs qu'on soutient à travers l'Atlantique. Puis oui, on s'entend, celui-ci, c'est une Cadillac. Mais ce n'est pas la seule Cadillac non plus. Mais ça ne prend pas tout ça pour commencer le changement. Alors, la façon qu'on livre l'éducation, c'est plus important. Alors, quand on voit comme voir l'éducation différemment, il faut commencer à livrer l'enseignement puis l'éducation différemment. Puis ça se fait un pas à la fois. Ça prend un champion. Les défis, des fois, qu'on voit, quand on pense aux compétences numériques, nous autres, on parle beaucoup de programmation puis codage. J'ai pas le temps de le faire. J'ai des résultats d'apprentissage. Quand j'ai quitté l'île du Prince-Édouard, ma dernière année d'enseignement dans la salle de classe, je pense qu'il avait fait une recherche que la 8e année à l'île du Prince-Édouard, comme 9 ans, 7 ans passés, il y avait 1041 résultats d'apprentissage. Il y a combien de journées d'école? Combien de résultats d'apprentissage je vais faire à chaque jour? C'est impossible de toutes les couvrir. Alors, on fait ça par projet. Alors, ça prend un champion, ça prend un enseignant, un jeune, un parent, quelqu'un... membre de la direction, qui va faire le premier pas, qui va motiver, autonomiser les jeunes, les enseignants, pour être capables de suivre leur passion. Alors, ce changement-là, c'est ça qui est important pour nous. Les défis qu'on voit, autres que certains enseignants, que oui, il y a quelqu'un qui a mentionné aujourd'hui, la technologie, des fois, ça fait peur. Tu entres dans un labo comme ça, puis tu dis, oh my gosh, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je vous promets, c'est correct de ne pas savoir ce qui se passe. Comme j'ai mentionné, on soutient plus de 130 labos créatifs. J'ai presque aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Roberto, il avait raison. On envoie des boîtes, puis on découvre avec le jeune comment ça fonctionne, puis eux autres, ils nous enseignent. Il ne faut pas avoir peur. Alors, il y avait quelqu'un au Bar Camp que Natacha a animé qui a mentionné vers la fin, il ne faut pas enseigner aux élèves quoi apprendre, il faut enseigner aux élèves comment apprendre. Puis là, ils sont corrects pour la vie.
Alors, c'est ce changement-là qu'on essaie de faire. Je pense que ça va très, très bien. On est dans presque 300 écoles, des 400 au Nouveau-Brunswick, 200 écoles en Nouvelle-Écosse, puis entre l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve, un autre peut-être 100-200 écoles. Mais quand on regarde les 300 écoles qu'on travaille ici, c'est presque trois quarts des écoles au Nouveau-Brunswick, c'est peut-être un groupe de jeunes, parce qu'il n'y a pas d'enseignants là qui veulent se prendre en main puis travailler avec eux. C'est peut-être un enseignant sur une soixantaine. Alors, il y a quand même beaucoup de chemin à faire. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec des partenaires. Cet été, on a livré des camps d'été gratuits dans 86 communautés. On avait 152 partenaires communautaires qui ont travaillé avec nous pour le faire. Secteur privé, secteur public, tout le monde embarque. Ça prend une communauté pour aider à élever un jeune. C'est pas juste quelque chose qu'on dit, là. C'est vrai, c'est important. Oui, en tout cas, c'est plus ou moins ça, je pense. Merci. Je vais reprendre ton idée du champion ou l'idée du leader. Sur les anciens ou sur les ceux qui sont abonnés à Claire ou qui sont venus souvent, vous vous souvenez peut-être d'une vidéo où, je pense que c'est Mario qui nous l'avait présenté. Il y avait un jeune homme qui commençait à danser, il avait vraiment l'air fou, mais il persévérait, il continuait jusqu'à ce que ça devienne un mouvement. Puis on parlait de leadership. Être le premier à faire le changement, être le champion ou le leader, c'est pas facile. Vous vous sentiez comment quand vous avez fait des changements puis que vous c'était votre tour d'être le leader ou votre tour d'être le champion? Puis qu'est-ce qui vous a persuadé de faire ce changement-là? Vous autres étiez chanceux. Moi, j'ai seulement peur des requins. Alors, quand ça vient à l'éducation, il n'y a rien qui me fait peur. Que ce soit... Puis, c'est qui va nous dire « Hey, c'est une mauvaise idée. » Aider nos jeunes à trouver du succès dans 20 ans, ça ne nous intéresse pas. On veut que les prochaines générations ils faillissent. Comme, il n'y a personne qui va dire ça. Puis aussi, ça nous a aidé que on a eu des entrepreneurs du secteur privé qui nous ont aidé à commencer notre organisme. C'est du monde qui ont fait des centaines de millions de dollars, puis ont vendu leur compagnie. Puis au lieu de juste dire « merci beaucoup, on s'achète des chalets », je ne sais pas si tu travailles dans ces chalets-là ou non, mais... ou déménager à une île avec des plages. Ils ont dit non. Nous autres, on s'est fait beaucoup d'argent avec notre propriété intellectuelle, avec la programmation informatique, puis on veut que les jeunes de la région soient capables de bénéficier de ça aussi. Alors, quand tu as du monde qui se font des centaines de millions de dollars à vendre des compagnies, qui sont après parler au gouvernement, ça lui ouvre des portes. Mais là, ça prend quelqu'un pour marcher dans la porte puis être capable de faire quelque chose avec. Alors, dans notre cas, les portes ont été ouvertes. C'est un bon message. Je pense que tout le monde est d'accord qu'on veut soutenir nos jeunes pour qu'ils connaissent du succès dans leur futur. Alors, nous autres, on ouvre par la porte, puis on fait notre affaire. C'est aussi simple que ça. Oui, tu as l'air de vouloir répondre. Ben oui. En fait, on a vu des leaders dans les écoles, puis souvent, ces leaders-là, prenons des enseignants, sont souvent marginalisés dans leur milieu. Mais dans des occasions comme ici, sur les réseaux, dans des communautés de pratique, réalisent que finalement, ils ne sont pas si marginalisés que ça. Ils trouvent d'autres comme eux autres. C'est de créer ces liens-là pour se rassurer, pour être capable de se valider, pour être capable de dire « OK, toi, tu le fais comme ça », un peu comme tu mentionnais tout à l'heure quand tu disais « quand j'ai décidé de faire les classes inversées, j'étais la première à le faire de langue française, j'allais chercher une ressource anglophone que j'ai traduite, puis là, maintenant, il y en a qui ont adapté puis amélioré ce que j'ai fait. » Mais ces précurseurs-là, ça demande quand même de trouver un appui à quelque part. Donc, ne pas rester seul, c'est peut-être le conseil que je donnerais, d'essayer de trouver des affiliations, trouver des réseaux, trouver des personnes qui vont être capables de nous soutenir, d'être un genre de filet de sécurité à travers cette initiative-là qu'on veut amener, qu'on veut proposer, qu'on veut démontrer d'une certaine façon dans notre milieu. Des fois, ben, tantôt je parlais qu'il faut identifier un besoin, mais des fois, notre instinct nous dicte de faire quelque chose, puis on n'a pas encore trouvé pourquoi on le faisait, puis c'est en construisant qu'on dit « crème, j'ai compris pourquoi je le faisais ». Il y a aussi cette réalité-là, mais ça, ce qui est nécessaire quand même, c'est tout l'aspect métacognitif, l'introspection qu'il faut accepter de se faire, d'avoir ce pas de recul-là sur notre réalité, puis d'être capable de se poser les bonnes questions, cette objectivité-là, pour dire « OK, je le fais pour cette raison-là, puis là, maintenant, je suis capable de mettre des mots sur la raison pour laquelle je m'embarque dans le changement, puis d'aller chercher ces collègues-là qui vont pouvoir me soutenir dans ma différence. »
Moi, j'ajouterais, en salle de classe, à un moment donné, j'ai décidé que je devais prendre place dans ma salle de classe. J'avais peur qu'on commence à m'organiser. Moi, je ne connais pas un enseignant qui ne travaille pas d'arrache-pied à de nombreuses heures après, avant, après les heures en salle de classe. Puis je pense qu'on a cette confiance à développer. Je ne sais pas si c'est après X nombre d'années d'expérience que ça se passe, mais je le sais qu'il n'y a personne qui va être capable de mieux savoir qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mieux pour mes élèves que moi. Puis je pense que je n'ai pas peur parce que je sais que le changement et ceux que j'ai vécu ont été nécessaires. J'ai eu besoin de changer parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. On ne pouvait pas continuer. Donc, tu vis dans le médiocre ou tu t'essayes pour l'excellence? Puis, s'il n'y a rien de mal avec viser l'excellence. C'est ça. J'ai juste toujours pensé qu'on a toujours pris un peu un pas de recul ou du recul comme enseignant. On n'a pas voulu faire voir au grand public que nous sommes les experts de notre salle de classe, puis on sait de quoi on parle, on vit des expériences, des problématiques à chaque jour. On n'a pas la recette parfaite du départ, mais on y arrive. Puis c'est cette confiance-là, ce n'est pas à confondre avec la vanité. Il y a raison de prendre confiance dans la profession avec laquelle on travaille avec des jeunes, puis il faut prendre la place. Il faut prendre notre place comme professionnel, puis il faut créer cette collaboration et avec la direction et avec les parents pour faire cheminer, parce qu'au bout de la ligne, c'est vrai que ça devient important d'avoir cette communauté apprenante de plus en plus, là, si on vise des écoles où on va faire le transfert vers les compétences. Donc, c'est ça. Moi, le changement pour... faire le point là-dessus, comme je le vois, pour le faire rapidement, il faut, je pense que tout va tellement très vite, tout de suite, ça fait que c'est important, faut faire bouger les choses, puis il faut avoir des initiateurs qui n'ont pas peur de faire bouger les choses, puis aussi de s'affirmer, puis souvent, ça, tu sais, développer nos passions, ça peut paraître un peu égoïste, ça peut paraître comme si on veut seulement pour nous, mais souvent, moi, la première chose que je suis en me levant le matin, c'est une mère de famille, puis ce que je veux, c'est que mes enfants aient le meilleur possible, qui vivent dans le meilleur Nouveau-Brunswick possible, qui aient les meilleurs services en éducation possible. Puis on est quand même très choyés ici avec tout ce qu'on fait au niveau de l'inclusion scolaire, mais je veux aussi que mes enfants soient capables de développer leur plein potentiel. Puis pour faire ça, avec des enfants qui peuvent avoir des troubles d'apprentissage ou qui détestent l'école tout de suite, il faut pouvoir faire bouger les choses. Ça fait qu'il faut vraiment ressortir les belles choses qui sont faites un peu partout, puis pas avoir peur de foncer. Puis c'est ça qui va faire avancer les choses, puis il faut vraiment pas avoir peur d'être égoïste dans ce sens-là où on se dit « moi, je veux le meilleur pour mon enfant, je veux le meilleur pour mes enfants, je veux le meilleur pour les amis de mes enfants, je veux qu'ils soient vraiment bien dans le système, puis je veux que quand ils finissent leur éducation au secondaire, puis qu'ils soient capables de travailler, puis avoir les compétences pour le 21e siècle, puis de créer leur propre emploi, parce que ça va probablement être ça qu'ils vont faire. » Ça fait que je veux avoir que mes enfants soient là. Ça fait que pour le faire, il faut que moi, comme maman, comme pédagogue, comme leader, je fasse les pas pour se rendre là, puis devenir peut-être un petit peu égoïste dans ce sens-là. Merci. Il nous reste peut-être 10 minutes environ. Est-ce que vous avez des questions pour nos panélistes sur le changement? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez partager avec nous ou des choses à propos desquelles vous voudriez les entendre? Hey, il y avait beaucoup de vin tantôt, hein? C'est le vin ou c'est trop de bouffe? C'est un des deux. Ou sont trop bons puis ils ont tout dit ce qu'il y avait à dire. Bonsoir. Question pour... oui, c'est moi, salut. pour Jean-Sébastien,
vécu un projet entrepreneurial l'année dernière, quand même assez majeur. Ce que j'ai remarqué, c'est l'engagement s'est essoufflé au fil des mois. Truc rapide peut-être pour remobiliser les troupes quand, en temps et lieu, quand ça arrive, pour éviter que ça s'essouffle. J'ai manqué un peu d'outils. Puis qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de ça? Tu aurais pu m'écrire. Ou t'appeler, désolé. Mais non. Mais en fait, un des pièges souvent, c'est l'envergure. On voit grand, on prend des grosses bouchées, puis finalement, ben, ces bouchées-là font en sorte que la digestion se passe moins bien d'une certaine façon, et on s'essouffle, ou dans le sens que si la perspective est trop loin, si c'est trop ambitieux pour le groupe avec lequel on est, ça ne veut pas dire que le projet pourrait être très accessible pour un, mais plus difficile d'accès pour l'autre. Donc, si on se lance avec un groupe dans quelque chose qui est méga, ben, il faut peut-être le découper en morceaux pour faire en sorte que là, étape 1 est faite, étape 2 est faite. Puis si on voit qu'on est rendu le 28 mai, puis là, il manque d'oxygène. Tu sais, quand je disais donner du temps au temps, c'est d'accepter que des fois, il y ait des pauses qui soient nécessaires à la réalisation du projet. Parce que après ça, on est obligé, entre guillemets, de. Le prof, j'ai beaucoup aimé quand tu dis quand tu finis ta journée plus fatigué que tes élèves, remets-toi en question. Fait que si tu es obligé de pédaler le 28 mai pour arriver au bout de ton projet, à la place de tes élèves, c'est peut-être que justement cette envergure-là, on l'a mésestimé. Des fois, il y a des occasions dans l'année aussi que ce n'est plus le bon moment pour faire cette initiative-là. Donc, c'est important de toujours prendre ce pas de recul-là, puis j'appelle ça des arrêts sur image, puis de se dire « OK ». Ça va pas, pourquoi? C'est-tu circonstanciel? C'est-tu l'essoufflement? C'est-tu les examens qui arrivent? C'est-tu. Puis là, tu te dis, OK, on va finir cette phase-là, puis on reprendra la phase suivante par la suite. Si je peux ajouter aussi, si votre projet, c'est simplement de se rendre de point A à point B, vous allez les perdre. L'engagement va certainement. C'est parti. Itération. C'est ça qui est important. Si les jeunes ou les jeunes ont la chance de, à tous les jours, solutionner des problèmes, puis comme si vous avez planifié quelque chose, puis votre projet à la fin il ressemble exactement comme c'était au début, il y a eu des problèmes. Il faut qu'il y ait des changements. C'est jamais, ça devrait jamais finir comme vous l'aviez planifié. Je pense même à Samuel, je pense que c'est un jeune en sixième, on avait fait un projet à dernière minute ensemble, puis on avait un ingénieur professionnel qui travaille dans le monde de santé à faire des microcontrôleurs à la journée longue, puis notre ingénieur, il travaillait pour 8 heures sur une solution, le petit en sixième année arrive, ben pourquoi qu'on n'essaie pas ça? Puis notre ingénieur, il le regarde, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Il l'a résolu dans comme 30 secondes, puis ça avait pris comme 8 heures de travail en soirée durant la journée pour notre ingénieur. C'était pas ce qu'on avait planifié de A à B, mais il faut laisser la flexibilité pour que le projet change. Sinon, c'est rendu plate. Comme moi-même, je ne voudrais pas travailler sur le même projet pour 8 mois. C'est plate. D'autres questions pour nos panélistes? Merci pour la question. Vous avez été trop bon. Merci beaucoup toutes les quatre d'avoir accepté parce qu'on ne l'a pas dit tantôt, mais je ne les ai pas contactés au mois d'août l'année passée. Là. Je les ai contactés genre hier ou en tout cas pas. Ça fait pas des mois, là. Ça se calcule plus en jours. Fait que ils ont relevé ça, ils ont accepté le challenge, puis je suis vraiment content, là. Merci beaucoup. Merci. C'était clair, les réponses. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, c'était très clair. Je ne parle pas souvent, mais.
Bon, on va donner quelques instants pour préparer la scène un petit peu. Moi, j'aimerais vous montrer ce qu'on est rendu avec notre nuage de bulles. Je vais faire rafraîchir la page pour voir s'il y a des petits changements. Puis, oups, on est rendu à voir. On commence à voir, on a des déclencheurs qui grandissent. Je vais juste réduire ça un petit peu. Hop, on a un cadre, on est pogné avec. Oups. Oh, il y a de quoi ici, là? La route! Un moment donné, il va se faire dépasser, je suppose. Et puis le numérique ici, on commence à en parler. Et puis, un que j'aime qui commence à augmenter, c'est les élèves. Oh. Ouais. Et puis, écoute, si on fait le tour rapidement, les idées. Là, on peut s'amuser avec les bulles, là, c'est des heures de plaisir. On peut, par exemple, voir Claire. On a hâte de voir Claire. Là, vous comprenez que je jette du temps tout de suite, hein? Hâte de voir Claire. Et puis, j'ai hâte de voir les billets de Claire, non? Einstein est là aussi. Donc, vous pourrez vous amuser à voir, puis demain, on va vous montrer le nuage de bulles. Une chose que je veux vous montrer aussi, c'est sur le site web, il y a un bouton qui s'appelle la déclaration, qui est, je ne sais plus où c'est encore activité probablement. Non, ça doit être, c'est moi qui ai fait le site web. Ben, j'ai travaillé à faire le site web, ça va bien. Date déclaration. Sylvain, y a-tu quoi à dire tout de suite ou je sais que tu. Oui, j'ai vu ça passer. Donc, on vous invite, je vais cliquer dessus pour qu'on aille le voir. On vous invite à aller écrire un petit peu, pas dire vos états d'âme, mais quelque chose que vous avez envie de laisser comme trace de votre passage. Et puis, vous avez fait une bonne job en passant aujourd'hui avec le bar camp. Hein. On n'avait pas beaucoup d'idées à matin. En après-midi, on était prêts. Avez-vous aimé l'expérience du bar camp? Oui. Oui, bravo. Puis merci à Jocelyn, à Sylvain. Il y a plein de monde qui ont travaillé là-dessus aussi. On n'est pas habitué de travailler comme ça, mais moi, en tout cas, j'ai eu des belles discussions avec les gens qui sont venus. Puis je pense qu'on repart enrichi tout le monde. Moi, je dis souvent, si je te donne 5 $ si je te prête 5 $ tu me dois 5 $ Mais si je te donne une idée, tu me donnes une idée, on s'en va avec deux idées. Donc, je pense que le barcamp, c'est un petit peu ça le but aujourd'hui. Là. Donc, vous avez ici, c'est un Google, un document Google que vous pouvez aller écrire. Vous pouvez aussi aller écrire par rapport à ce qu'on pense de façon solidaire et responsable. Puis ensuite, on vous invite à aller écrire votre nom. On est trois jusqu'à maintenant. Donc, si vous avez la chance d'aller écrire votre nom, si vous appuyez ce qui est là, mais évidemment, si à un moment donné, vous n'êtes plus d'accord, vous pouvez aller enlever votre nom, donc c'est vraiment malléable. Donc, Sylvain travaille fort avec ça. Donc, d'ici demain, on devrait, j'espère, avoir une déclaration où on pourra accepter ensemble avant de se quitter, avant de partir. Je pense que c'est tout. Hein, c'est ça? C'est pas mal. J'ai fait le tour, je pense. Là, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je ne travaille plus ici. Hein. Ça fait qu'on ne me dit pas tout. Et on a une présentation surprise. Et puis, ça s'intitule « Regarde autour ». Mais j'en sais pas plus que ça. Ça fait qu'on va voir. Whoa.
suis là tant que toi. Regarde encore tous ces visages qui t'entourent, qui croient en toi depuis toujours. C'est vrai, je ne te dis pas assez souvent que pour moi tu es important. Ouais, on ne dit pas assez souvent, je t'aime, je t'aime, regarde autour. Regarde autour, ces gens prêts à t'ouvrir. Regarde autour, c'est beau, tout ça. C'est vrai, je te dis pas assez souvent que pour moi, tu es important. C'est vrai, on ne dit pas assez souvent, je t'aime. Merci d'être là, tout le monde. Bonsoir. Il y a... Ça, j'ai calculé 660 minutes de cerveau allumé ici à Claire. Donc, c'est à peu près le temps depuis qu'on est ici ce matin. C'est une journée d'une rare intensité. Les vendredis de Claire sont toujours tellement magiques. Et on voudrait la terminer quand même. C'est une bonne note. Je pense que c'est vraiment bien parti. Merci au personnel de l'école pour cette belle attention-là. Je vais apporter cette... Merci beaucoup. Votre chaleur humaine est exceptionnelle. Nous allons terminer cette merveilleuse journée sur un ton un peu plus détendu et par contre quand même avec des réflexions assez sérieuses provenant de 5 personnes. Et avant de commencer, bon, on a déjà, peut-être que vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, une session Ignite ou parfois appelée Pesha Kusha, qui vient d'un terme hawaïen, je crois. Et c'est une série de présentations, mais en rafale, avec quelques paramètres. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ce qu'on demande aux gens de nous emballer sur un sujet, mais faites ça vite, dépêchez-vous. Les gens qui vont venir sur scène ici auront 20 diapositives de messages clés, chacune chronométrée à 20 secondes. Top chrono, ça change. Ils peuvent parler s'ils veulent, les diapos avancent. Donc, vous pouvez imaginer l'exercice de synthèse, concision et de belles performances. Mais j'aimerais vous dire que c'est la 4e année que nous avons les sessions Ignite. La première année, et chacune d'elles avait un thème. Et le thème permet aux gens qui viennent sur scène de l'exploiter comme ils ou elles le veulent. En 2016, le thème portait sur l'engagement. Je pense qu'en 2019, on parle encore d'engagement. En 2017, le thème était la passion professionnelle. On en a vu toutes sortes de manifestations ici, ici et ailleurs dans l'école. En 2018, on parlait de s'entreprendre. On vient d'entendre justement à ce sujet-là il y a quelques instants.
Cette année, en 2019, on veut parler d'identité. L'identité, peu importe sa forme. Je relisais les bios des gens qui vont venir ici dans la prochaine heure, et voici quelques mots que j'ai lus de leur biographie. Innovation, passion, créativité, mentalité de croissance, animation, changement, regardons ça, leader, leadership, propulsion. Donc, on va avoir des gens qui vont venir se présenter, mais on va commencer là. Un bruit de bébé, ça révèle bien peu de son identité. Maintenant que j'ai pris la parole, vous savez que je suis un homme, probablement un homme d'un certain âge, un homme francophone. Ça me rappelle une époque, pas si lointaine que ça, où j'étais animateur radio au début des années 80. Ma seule identité reposait sur le son de ma voix. Le seul rapport que j'avais avec les auditeurs était le son de ma voix, et je laissais peu de traces. Plus difficile maintenant de masquer son identité. Vous n'avez pas une idée encore de qui je suis, et curieusement, moins je me révèle, et plus je me sens libre. Bizarre comme sentiment. D'autres vont choisir de s'afficher autrement, avec un masque qu'on appelle anonyme. Le masque d'Anonymous, qui à la base est un dessin de Dali, un beau dessin, révèle une identité qui se veut anonyme. Étrange paradoxe qu'Anonymous. D'autres s'affichent plus méchamment, sans visage. On les appelle les trolls qu'on retrouve sur les médias sociaux. Ils pullulent sur les médias sociaux, ils polluent sur les médias sociaux en raison de leur fausse identité. On peut choisir de se révéler en totalité ou en partie seulement. Selon qu'on veuille afficher notre identité qui est publique ou notre identité qui est privée. Certains vont s'afficher davantage que d'autres et laisser plus de traces que d'autres. On ne peut pas nier le fait, ce sont les dernières statistiques de Hootsuite, 67% de la planète possède un outil intelligent entre les mains. Qui s'occupe de cette identité? La planète est de plus en plus connectée, mais est-elle de plus en plus vulnérable? Je pense que la minute a débarqué. Sans visage, des millions d'utilisateurs, qui prend soin de notre identité? Qui connaît qui? Qui fait quoi avec nos identités? Malgré l'abondance des utilisateurs, est-ce qu'on aurait seulement l'illusion d'être ensemble malgré le nombre? Présentement, on assiste à un beau concours, attention Roberto, de donner ces images à 10 ans d'écart. Est-ce qu'on ne fait que nourrir la bête, de donner davantage d'informations sur notre identité? Et moi, je me pose la question, si ça ne coûte rien que de s'afficher à 10 ans d'écart, c'est peut-être parce que nous sommes devenus un produit. Et comment se fait-il que nous sommes devenus justement un produit? Bien, c'est bien simple. C'est parce qu'on a besoin de répondre à un besoin essentiel de l'humain, ce besoin essentiel de vivre en groupe et d'être reconnu, d'être aimé, liké. C'est dans notre ADN. Depuis des millénaires, si on n'avait pas eu ces deux réflexes de survie, l'humain ne serait pas là. Vivre ensemble avec des gens qui nous ressemblent et qui partagent nos opinions,
C'est comme ça que l'humain a survécu et a réussi à passer au travers son histoire. D'aussi loin que l'époque des cavernes, jusqu'à la chambre à écho d'aujourd'hui, qui n'est rien d'autre, en fin de compte, qu'une caverne amplifiée, qui est tout simplement plus puissante. Qui habite dans la caverne? Des gens qui me ressemblent, des gens qui ont les mêmes peurs que moi, des gens qui ont les mêmes joies que moi. Donc, imaginez quand on se retrouve avec un phénomène de fausse nouvelle. À qui partage-t-on cette fausse nouvelle, sinon qu'à des gens qui nous ressemblent, des gens qui partagent les mêmes opinions? Donc, si vous avez une belle liste de gens qui vous suivent, ça devient une épidémie et non pas une transmission de nouvelles. Et pourtant, il serait tellement simple de s'arrêter et de faire 1, 2, 3, 4, 5, comptez jusqu'à 30. Comptez jusqu'à 30 avant de relayer une information et hop, qu'est-ce qui vient d'embarquer? C'est le jugement critique qui fait en sorte que je vais me demander, est-ce que ça vaut la peine de transmettre cette nouvelle-là? Maintenant, on le sait, l'éducation est là, bravo, merveilleux, ça va régler tous les problèmes identitaires. 37 millions d'habitants au Canada, 6 millions sur des bancs d'école. Qu'est-ce qu'on fait avec les 31 millions qui restent? Les universités sont là. Oh, Dieu merci. Vous êtes passé à l'université, vous êtes des enseignants. Donc, je vous mets en exercice. À main levée, levez la main ceux qui disent à leurs élèves de faire attention à leur identité. Merveilleux. Levez la main maintenant ceux qui l'ont appris dans leur formation initiale à l'université. On a un sérieux problème. On a un sérieux problème parce qu'on parle d'une société, civile, une société bâtie sur une ville intelligente. Est-ce que la ville intelligente s'occupera de nos identités? Comment s'en occupera-t-elle? On alimente la bête, on alimente les bêtes. En Amérique, donc les GAFA, en Chine, les BATX, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon de ce monde, et leur équivalent chinois. C'est eux qui, pour l'instant, façonnent notre identité. L'identité, c'est quoi? C'est un concept, c'est un mot qui s'appuie sur deux concepts. Celui de l'idée, celui de l'entité. Quelle idée avons-nous de notre entité? Que souhaitons-nous afficher, révéler? Nous ne sommes qu'un construit identitaire sur les médias sociaux. En tant que parents, citoyens, éducateurs, donc c'est à nous d'assurer notre identité, consciente, critique, à nous assumer à visage ouvert pour être des citoyens conscients. Merci. Normand Brodeur. Merci, Normand. Oh boy, je voudrais vraiment pas être dans la peau des quatre autres maintenant. Là. Oh boy. Comme ça. Mais je m'en fais pas parce qu'ils vont être merveilleux, parce que chacun va apporter justement son identité d'ignitien ou d'initieux. Normand, pour ceux qui ne le savent pas, est appelé à conseiller les directions pédagogiques des écoles du Québec sur différents dossiers tels que l'arrimage primaire, secondaire, collégial, les stratégies d'enseignement, les environnements d'apprentissage et le développement professionnel. Il représente la Fédération des établissements d'enseignement privé au sein de nombreux comités ministériels et, il faut le dire, c'est le cofondateur de Cadre 21 pour lequel j'ai un grand plaisir à travailler. Là, maintenant, on va enchaîner avec notre deuxième personne. Et là, je vais vous la présenter. Je vous présente Marie-Andrée Ouimet. Marie-Andrée Ouimet de Hawkesbury, Ontario. Que dire? Une femme inspirante, sketchnoteuse de calibre mondial et empreinte de créativité dans tout ce qu'elle fait. Écoutez, je vais me taire, là, puis je vais vous laisser toute la place à Marie-Andrée. Est-ce que ça va? Oui. OK? L'ordi et tout ça? Oui. Oh. Ça veut-tu dire que c'est toi qui fais ton propre top chrono? Je sais pas. C'est-tu parti? Non. Veux-tu que ça parte? Veux-tu terminer? C'est parti. OK. Salut tout le monde.
Bonsoir. Ce soir, je m'en viens vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, puis c'est la constance. Puis oui, le mot « sexy » est écrit à l'écran. On parle de changement. Aujourd'hui, le thème, c'est vraiment le changement. Mais le changement, ça commence avec soi-même. Puis on est dans un colloque où on parle de l'éducation, de notre pratique, mais je trouve qu'on parle rarement de prendre soin de nous-mêmes. Donc, je vous invite ce soir, là, on est rendu à 6 minutes 15, de prendre 6 minutes pour penser à votre croissance personnelle. Vous voyez des choses qui défilent, c'est un peu moi. J'ai carburé aux badges, aux certifications, aux colloques, je les ai faits. Et je suis arrivée, avril 2017, mon mari va dire que c'était la crise de la quarantaine. Moi, je vais dire que c'était une crise de pédagogue remise en question, où je ne savais plus qui j'étais. Je me posais des questions, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'aime ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi mon pourquoi? C'est quoi mon why? Pourquoi je suis là? Puis c'est commencé avril 2017 dans un Tim Hortons. Marius, mon leader pédagogique à ce moment-là dans l'équipe tactique, m'a rencontré et m'a dit « Marie, tu vas te tuer. Tu es en train de te brûler. Tu brûles la chandelle des deux bouts. Où est-ce que tu t'en vas avec tes colloques, tes choses? » J'étais rendue à 67 jours où je n'avais pas arrêté de travailler. Et je me retrouve dans un tramway, puis là, je regarde même pas l'écran avec Maude, à San Francisco, dans un congrès de Google Earth. 90 profs de la planète sont choisis pour aller en Californie. Je suis assise avec elle sur le tramway et elle me coach. Elle ne le sait pas. Et elle me pose des questions et je lui dis, « Maude, il faut que je change ma vie. Ça va pas bien. Je ne sais pas où je m'en vais. » Puis je me retrouve littéralement deux jours plus tard, sur la route pour explorer le Canada avec Stéphane et notre chien. Et je suis dans un mastermind aux trois jours. Je vais au Tim Hortons à 5 heures du matin pour rencontrer Marius et une équipe. Et on lit les 21 lois de leadership de John Maxwell. Et je réalise, shit, excusez, je viens de dire shit pendant un night, faut que je change ma vie. Puis ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Je ne suis pas confiante. Je suis constamment en train de me comparer à toutes ces techno superstar à côté de moi, je suis jamais satisfaite avec moi-même et je suis pas bien, j'ai pas d'énergie. Puis je décide, faut que je fasse de quoi? À droite, vous avez une fille qui a lâché sa job, qui a lâché l'enseignement, qui est sortie du système, puis qui a décidé, faut que je travaille sur moi-même. Et voici ce qui se passe, les erreurs, j'en fais. Je ne connais pas toutes les réponses, je vais vivre avec, on va les trouver ensemble. Puis let's go, maintenant j'ai de l'énergie. Quand on regarde ces deux images-là, oui, j'avoue, il y a 110 livres de différence entre les deux filles qui se retrouvent à cet écran-là, mais il y a tout un shift mental qui se passe dans la tête d'une personne quand elle vit un processus comme ça. Je passais d'une mentalité fixe à une mentalité de croissance. Et ce qui est plus drôle, c'est que j'accompagnais des enseignants pour les aider à développer leur mentalité de croissance et moi-même, je ne l'avais pas. Comment j'y suis arrivée? C'est mon mot, c'est la constance. Puis la constance, c'est drôle, on n'en parle jamais. On va dire, « Ah, cette personne-là est persévérante. Cette personne-là, elle fonce. » Mais jamais on va dire, « Cette personne-là est donc bien constante. » C'est pas très sexy de dire ce mot-là. Mais en réalité, c'est la constance et la discipline qui fait qu'on grandit et qu'on devient la personne qu'on veut être. Parce que le succès, ça ne s'atteint pas du jour au lendemain. Dans la salle de classe lundi, essayer une petite chose puis se planter, c'est normal. Vous n'allez pas être une superstar lundi prochain. C'est en travaillant lundi, mardi, mercredi, jeudi et même samedi qu'on atteint le niveau où on veut être. Pour ça, je vous parle de la loi du 5. Imaginez, vous avez un bel arbre. Je ne vois pas pourquoi on voudrait couper un bel arbre comme ça, mais mettons que vous voulez le couper, l'arbre. Puis vous sortez avec une hache. Puis vous donnez 5 coups aujourd'hui. Demain, vous ressortez avec votre hache. Vous donnez 5 autres coups. Puis vous donnez 5 coups à chaque jour. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver à l'arbre? Il va tomber. C'est en faisant la bonne action à tous les jours que le succès arrive. Puis le succès, c'est la croissance, selon moi. Okay? C'est pas en faisant la bonne action certains jours. Puis c'est aussi ce que je vois dans mes collègues. Ils essayent une chose une fois, ça plante, je ne l'essaye plus, ça n'a pas marché. C'est en l'essayant constamment. C'est en travaillant sur notre constance qu'on atteint ce succès-là. Puis, souvent, les gens vont me dire, « Marie-Andrée, comment tu y arrives? Qu'est-ce que tu fais pour rester constante? » Même ce matin, il y en a qui m'ont dit, « Comment tu as fait pour te lever et t'entraîner malgré la fatigue? » Moi, je fais 5 jours à tous les jours. Je me lève, je suis reconnaissante, je m'entraîne, je me fixe des objectifs, j'apprends et je produis. Je suis reconnaissante, je m'entraîne,
je me fixe des objectifs, j'apprends et je produis. Et ça, je fais ça à tous les jours, même ce matin, même demain, même dimanche, tous les jours. La question, elle est là. Quelles 5 actions est-ce que tu peux poser demain à Claire, malgré la fatigue, malgré la route? Quelles 5 actions peux-tu poser de façon constante à tous les jours? Ça n'a pas besoin d'être incroyable. 5 petites choses que tu peux faire constamment à tous les jours pour t'améliorer, pour grandir dans cette merveilleuse profession. Parce que la magie, ça ne se passe pas dans notre petit confort tout dodu. La magie, ça se passe à l'extérieur. C'est là que le fun se passe. Puis pour se rendre là, il faut l'étirer, notre élastique. Puis plus on l'étire, plus on s'habitue. On s'habitue de l'étirer, ce maudit élastique-là. Vous allez voir 400 selfies qui vont popper dans votre face de moi depuis août 2017 à aujourd'hui. Puis à un moment donné, ce que vous allez voir dans ce parcours-là, qui n'est pas tout beau, qui n'est pas parfait, il y a des hauts, il y a des bas, c'est qu'il y a du monde qui se joigne dans le parcours. Parce que quand on entreprend un parcours de constance, les gens le remarquent et veulent se joindre à toi. Qu'est-ce que tu attends pour sauter? Ça, c'est moi en passant. Ma fête de 40 ans, mon mari m'a payé un saut en parachute. Débile. Qu'est-ce que tu attends pour sauter? Parce que le pire moment de sauter, c'est d'attendre ton tour après Normand Brodeur. C'est ça le pire moment. Il faut juste que tu sautes. OK? Si vous cherchez à sauter, à vous inspirer, il fallait que je plug Esquadédu. On a des événements qui s'en viennent, le coach à 360. On a aussi un camp d'été qui s'en vient. Viens t'inspirer, te donner un boost d'énergie, travailler ta croissance personnelle. C'est ça qui fonctionne. Bonne soirée. Je débranche-tu? OK. Bravo. Merci, 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 Marie-André. Ouf, ça va bien? Il nous en reste 3. Et ça me fait vraiment plaisir de vous présenter le prochain, Christian Leblanc. En passant, Leblanc avec un B majuscule. Ça, tu sais que c'est un Leblanc du Québec. OK? Et puis, Christian, je dois vous dire que je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci parce que c'est grâce à Christian que j'ai eu le grand bonheur, ben, Normand et moi, de rencontrer, de jaser une dizaine de minutes en coulisses avec Sir Ken Robinson il y a à peu près un an et demi. Ça a été un moment spécial et c'est vraiment grâce à toi, Christian. Donc, je tenais à te le dire. Donc, Christian nous arrive de la rive sud de Montréal, du Collège du Rocher Saint-Lambert, où il est directeur de services pédagogiques. Mais c'est aussi un animateur. C'est comme, vous savez, Gilbert Bécaud s'appelait le monsieur 100 000 volts. Mais ça, c'est comme monsieur 100 000 volts de la rive sud de Montréal. Donc, Christian, est-ce que tu es prêt? Absolument. Denis, on est bon? Prêt à sauter. OK. Alors, l'identité, ce sont les traits, vos traits qui vous sont particuliers. C'est ce qui vous rend unique. C'est ce qui nous distingue par rapport aux autres. Moi, j'ai choisi d'être distingué. En fait, de me distinguer au lieu d'être différent. Et surtout de mettre en lumière tous ceux qui posent des actions pour respecter l'identité de tous et chacun. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire d'identité. Et ça commence en deuxième année. Ouf! Hein? Moins huit de myopie, un joli nœud papillon rouge. Et je sais que c'est pas ce qui saute aux yeux en premier, mais c'est aussi le moment où mes premiers tics nerveux sont arrivés. Et ça, les tics nerveux, on ne le voit pas présentement sur la photo, parce qu'une photo, c'est ce qui se retrouve entre autres sur une carte d'identité. Ça bouge pas. Ça ne parle pas. Ceux qui ne l'ont pas encore compris, ou ceux qui me connaissent bien le savent, j'ai un syndrome de jeu de la tourette. J'ai la tourette, c'est quoi? C'est au moins un tic moteur, des tics moteurs, mon Dieu, un tic vocal. Moi, je tousse absolument régulièrement. Mais c'est surtout un syndrome qui est mal compris, mal aimé, dans lequel il n'y a pas de modèle, dans lequel il est assez facile de voir tout ce qui apparaît, mais tout ce qui ne paraît pas, on ne le voit pas. C'est pas pour rien que je me suis intégré au cadet de l'armée lorsque j'étais adolescent. Tout le monde pareil, tout le monde en uniforme, tout le monde au garde-à-vous, un esprit corps, on appelle ça un corps de cadet. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai sans cesser de me sentir différent, que je me suis senti sur ma personnalité. Et je me dis, je suis qui, moi, au-delà de l'uniforme, au-delà des tics nerveux. C'est au moment des cadets de l'armée que j'ai décidé de devenir enseignant. Et je me suis dit, Christian, tu as des traits qui sont particuliers, bien, mets-les à profit.
Mets-les à profit pour tes futurs élèves, mets-les à profit pour tes futurs collègues, mets-les à profit pour ta future école. Transforme ça en force. Aujourd'hui, je suis dans une école de 2500 élèves. Je suis directeur des services pédagogiques. Mais cette école-là, le cadeau qu'elle me fait, c'est une école qui s'est permis de jeter les barrières, de faire tomber des barrières pour permettre à tous les apprenants de se sentir inclus dans leur milieu scolaire. Respecter l'identité de quelqu'un, ça veut dire quoi? Bien, c'est respecter les modes d'apprentissage. C'est de prendre le temps. C'est d'aller à la rencontre de l'autre. La rencontre de l'autre pour déterminer ce qui est bon pour lui, mais surtout pour lui offrir le bon encadrement, pour lui permettre de se développer. L'élève, c'est la matière première de nos écoles. Mais c'est quoi respecter l'identité d'un élève? Respecter l'identité d'un élève, c'est de respecter le fait que chaque élève a un cerveau différent. Chaque élève a une façon différente d'apprendre. Et même en apprenant des fois d'une façon un petit peu similaire, il y a tellement de chemin pour arriver à nos fins. Respecter aussi l'identité de l'élève, c'est lui permettre de faire des choix. C'est lui donner la liberté dans sa façon de démontrer sa compréhension, mais c'est aussi de lui présenter des concepts à apprendre de façon différente. Respecter l'élève dans son identité, c'est lui permettre de trouver les clés de sa réussite en l'autorisant à utiliser n'importe quel chemin. Dans les écoles aussi, il y a des adultes, des éducateurs, des enseignants. Respecter l'identité des adultes, des enseignants, des éducateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire les considérer comme des êtres exceptionnels. Mais c'est aussi de les respecter en tant qu'apprenants. Et si les adultes sont aussi apprenants que les élèves qui fréquentent les écoles, bien, à eux aussi, il faut leur permettre de faire des choix. Le premier choix qu'un adulte devrait faire, un éducateur devrait faire, c'est de bonifier sa carte d'identité. Au jour le jour, ajouter des faits, des moments précieux, des succès, des échecs aussi. Comme adulte, on se doit de toujours s'inscrire dans une mentalité de croissance pour bonifier notre carte d'identité et de faire en sorte aussi de réussir à cheminer et de s'engager un peu plus. L'école, c'est un endroit où on devrait pouvoir établir des nouveaux réseaux. On devrait établir des nouvelles connexions. À l'école, on devrait être capable de faire des connexions qui sont parfois classiques, mais des connexions complètement atypiques. Pourquoi atypiques? Pour réussir à améliorer puis bonifier la carte d'identité de notre école. En fait, la carte d'identité de l'école, ça devrait peut-être s'apparenter à une chorale. Vous savez, une chorale, c'est un regroupement de personnes aux personnalités uniques et aux identités complètement multiples. Une chorale, ça chante d'une seule voix, par contre. Et cette voix, c'est la force de leur voix, ils viennent la chercher dans le respect de la différence de chacun. Il y a une émission qui va commencer au Québec, il a commencé cette semaine, ça ne se demande pas, inspirée d'une émission australienne, You Can't Ask That. Désolé pour mon accent. Là, il y a toutes sortes de personnes, des petits, des moyens, des gens malades, des gens handicapés, des gens avec des particularités, et on ose leur poser des questions que jamais on n'oserait leur poser. Il y aura des tourettes l'année prochaine, je vous le dis. Mais est-ce que nous, on se permet de se poser des bonnes questions pour nos milieux scolaires? Alors, ce que je vais vous inviter, c'est qu'on va s'en poser trois bonnes questions. Et je vais vous inviter à répondre haut et fort à chacune de mes questions, quitte à faire flancher un peu le Facebook Live. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Excellent. Première question pour l'élève. Est-ce qu'on peut enfin considérer l'élève apte à faire des choix qui seront favorables à ses apprentissages et à son engagement? Oui! J'espère, parce que permettre de faire des choix, c'est augmenter le taux d'engagement. Je choisis de la façon dont je veux apprendre, mais c'est surtout de respecter les choix que les élèves vont faire. Les enseignants, sont-ils prêts à devenir une vraie communauté d'apprenants? Bien sûr, une communauté de collaborateurs, une communauté d'enseignants qui vont tisser leur propre réseau, qui vont mettre en place une mentalité de croissance qui leur est propre, mais une mentalité de croissance communautaire. L'école est-elle prête à faire preuve de flexibilité pour permettre à tous de travailler ensemble dans le respect de l'identité de chacun? Oui! On est prêt? Oui! Absolument. Il dit, l'école, re-questionner ce qui est en place, c'est bien, mais trouver les petites brèches qui nous permettent d'installer cette flexibilité-là, c'est encore mieux. N'est-ce pas le rôle de l'école que d'accompagner les jeunes dans la recherche de leur identité? Et on ne trouve pas notre identité lorsque tout est homogène, lorsque tout est pareil. On met tellement de temps pour découvrir, définir,
apprivoiser et même accepter notre identité, que la moindre des choses serait de se faire respecter pour qui on est, respecter notre unicité, avoir confiance et s'engager. S'engager auprès de soi afin d'avoir un impact. Si on avait des milieux un peu plus inclusifs, tout le monde y trouverait sa place, comme moi j'ai réussi à trouver la mienne. Merci beaucoup. Christian Leblanc. Avez-vous vu la veste? Hein, c'est Pac-Man, wow! Bravo! Tout à l'heure, Marie-André parlait de son saut à parachute, puis elle disait que le pire d'en sauter, c'est d'attendre son tour. La prochaine qui s'en vient, qui s'appelle Mira, elle n'a pas eu à attendre longtemps. J'ai eu malheureusement un désistement de dernière minute parmi les gens qu'on avait invités, comme la semaine dernière. Puis là, OK, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tiens, j'ai écrit à Mira, j'étais vers 20 heures le soir, quelque chose. « Hey Mira, j'ai quelque chose pour toi, ça te tente-tu au niveau de Claire? » Elle dit, « Ah ouais, quoi? » Puis là, on a échangé et sur le coup, elle a accepté le défi. Elle a accepté le défi. Bravo, Mira. Elle a sauté. Donc, Mira, enseignante au primaire dans la ville de Québec, à Sillery plus exactement, je t'invite à venir nous joindre sur scène. Ça va bien? Oui. Est-ce qu'on est bon? Yeah. Ça, top chrono. C'est bon? Good. Je vais assurer parce que la première diapo est noire, donc on va juste... Salut. Ça va? Ça s'en vient. C'est parti là. Ouais, ouais, mais là, je vois rien en avant. Ça s'en vient, mais moi, je commence là, quand ça part là, en avant. Yes! Le titre a l'air un petit peu moralisateur, mais je vous rassure, c'est pas à vous que je fais la leçon ce soir, c'est à moi. Donc, identité, pour moi, ça sonnait crise identitaire. Ça sonne un petit peu péjoratif, mais ça fait partie de notre développement. Ça nous transforme pour nous mener à aujourd'hui. Commençons au tout début. De l'amour à profession et... C'est supposé, je pense que ça roule pas parce que ça fait bien plus que 20 secondes. Oui, non, il n'est pas surplé. OK, fait que donc, ce que je viens de dire en répétition, voilà, les maternelles, de l'amour, tout va pour le mieux. J'ai eu la chance comme enfant d'être entourée d'une famille qui me poussait à explorer, à me faire confiance. Je pense que ce que mon père me disait le plus souvent, c'est « t'es spéciale ». Tous les enfants devraient se faire dire ça à tous les jours. Sauf que t'as beau être spécial, à un moment donné, ça finit par te tomber dessus sans crier gare, l'adolescence. Première crise identitaire. Tu vas me dire que lire « Fille d'aujourd'hui » puis triper sur le gars qui meurt tout le temps à la fin de ses films, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Sauf que il y avait toute une petite voix dans ma tête qui me disait « On sait jamais ». Ce qui nous mène à la première leçon, il n'y a pas de petits rêves. J'étais tellement convaincue de ça quand j'étais jeune, même en bas âge, que c'est la première chose que je me suis fait tatouer dans le dos. Rêver. Ça s'en va plus. Ça s'en ira pas. Ce qui est bien des rêves, c'est qu'on peut les protéger en les gardant pour nous. Le reste, par exemple, c'est exposé au grand jour. Et tout le monde semble avoir un mot à dire sur ce qu'on est. Ce que j'ai réalisé avec le temps, avec beaucoup de temps, c'est que tout le monde se sentait un jour comme le pion de droite. Fait que j'étais pas très sociable à l'école, souvent plongée dans un roman, dans ma bulle, et confrontée aux péripéties de la vie quotidienne au secondaire et les réflexions inévitables qui en découlent. Puis je me suis liée d'amitié avec des gens qui me ressemblaient. C'était un petit peu bizarre. Des bibittes. C'est à cette époque-là que j'ai mieux compris que les gens dont nous nous entourons sont le reflet de ce que nous croyons être ou ce que nous voulons être. Je me cherchais à travers eux, j'apprenais à me découvrir pour le meilleur, pour le pire. Parce que tu n'es jamais seule quand tu es toi-même. Jusqu'à temps que, évidemment, j'aille des décisions seules à prendre, par exemple. Donc, entrer à l'université. Tout à coup, c'est face à moi-même que je me retrouve, face à mes rêves, mes ambitions, face à ma perception de ce que je suis capable d'accomplir ou pas.
L'enseignement, c'était un choix plutôt logique. J'ai toujours préféré la compagnie des enfants et leur monde imaginaire plutôt que la structure, la rigidité du monde adulte. Fait que j'ai sauté dans la piscine, pataugé dans une mer de notes de cours et de grands courants pédagogiques. Ça, c'est moi, avant de terminer mes études. J'étais catapultée dans le vrai monde. Après 4 ans d'études, je devais maintenant devenir le guide, le modèle, la source de savoir et de réconfort. J'avais plus souvent qu'autrement l'impression d'avancer à tâtons. Leçon numéro 3, je pense, ouais, c'est ça. Ne te laisse pas définir parce que tu ne sais pas encore. Ça peut être épeurant d'être confronté à des compétences qu'on n'a pas, d'un savoir qui n'est pas le nôtre, des idées qui n'ont pas germé dans notre esprit, mais j'aimerais souligner les mots « pas encore ». C'est ce qui est merveilleux du métier d'enseignant, c'est que tout est en mouvement. Chaque année apporte son lot de possibilités, de renouvellement et d'amélioration. Alors, j'ai débuté ma carrière avec une intention bien claire, faire aimer l'école à mes élèves. L'humour, c'est essentiel dans la relation qu'on veut établir avec les enfants. C'est un baume, c'est un démineur de situations conflictuelles, c'est une thérapie en moins chère. Donc, comme dans toute bonne thérapie, par exemple, ça nous arrive de gratter là où ça fait mal. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui se tramait, que dans ma tête, tout n'était pas clair sur ce que je voulais être comme prof. Ma façon de travailler, faire face aux exigences, mon organisation, c'était pas au point. J'avais pas assez de temps, pas assez de moyens, pas assez d'outils, pas assez de connaissances. Bref, la crise. Donc, aussi positif que ça puisse être, ça a été ça mon point de rupture. Ça. La crainte de ne pas arriver à gérer toute la nouveauté que ça entraînait une vie de famille. Qu'en plus de tout ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle, il fallait en plus que je sois une maman. Une bonne maman. Je m'étais même fait dire que ce serait normal que je m'embarque dans moins de projets, que je mette la pédale douce. Mettons que ça ne faisait pas vraiment mon affaire de me faire dire ça. Ne vis pas l'insatisfaction comme un échec, mais comme un indice vers ta prochaine destination. Après mon deuxième congé de maternité, j'ai pris le temps d'évaluer comment je me sentais dans mon nouveau rôle, quel impact ça avait sur ma vie professionnelle. J'ai fait un petit pas à la fois. Je me suis rendu compte que j'avais parcouru un bon bout de chemin. Je m'en tirais quand même bien, finalement. Je commençais à me trouver pas mal plus confortable. J'avais un bon rythme. Je pouvais le maintenir. J'étais même un peu surprise par mon aisance. J'ai regardé autour de moi, question de voir où est-ce que j'en étais, ce que j'avais acquis, en quoi ça m'avait transformée comme prof. J'ai eu envie d'élargir un peu mes horizons parce qu'il n'y a pas de petits rêves. J'ai décidé de dire oui, de laisser la porte ouverte aux nouvelles opportunités, même quand j'avais des doutes sur mes capacités. Je me suis rappelée qu'à l'université, on avait parlé de zone proximale de développement. Je me suis dit, pourquoi on explique ça à nos élèves puis qu'on a autant de mal à l'appliquer dans notre vie? Pensez à toutes les opportunités que vous avez refusées par crainte de ne pas répondre à toutes les exigences. Ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est la force du réseau. Le courage que peut transmettre quelqu'un qui t'inspire. Prenez-le comme un compliment, mais vous faites partie intégrante de ma dernière crise identitaire. Leçon numéro 5, la dernière de ce soir, l'inspiration... Elle va changer, vous allez pouvoir la lire. L'inspiration est une énergie renouvelable et contagieuse. Une fois qu'on a mis le pied dans l'engrenage, difficile de faire marche arrière. Le sentiment de partage, d'élaboration de nouvelles idées, le sentiment d'appartenance à une communauté dont on n'est pas seulement l'observateur. L'heure est au bilan. Je n'ai pas de petits rêves comme celui d'écrire pour être lu. Merci à l'École branchée pour ça. Je me sens plus que jamais comme moi-même et mieux entourée que jamais. Je ne suis pas porteuse de tous les savoirs, mais ma curiosité connaît peu de limites. Ce qui me paraît insatisfaisant me pousse vers le changement. Et croyez-moi, je n'ai pas fini d'être inspirée par tout ce qui se passe autour de nous, en espérant vous avoir inspiré à mon tour ce soir. Je profite... Chut, je n'ai pas fini. Je profite de la plateforme pour vous inviter à lever votre verre semi-imaginaire, là, en tout cas tout à l'heure, à ce que vous êtes. Aux crises identitaires qui vous ont permis de vous construire et à toutes celles qui vous feront évoluer dans le futur. Merci, bonsoir. Mira Auvergne-Ringuette. Bravo, Mira. Wow. On en est déjà rendu à la 5e. Et j'aimerais lire sa description. Je vous présente Sue Duguay. Sue Duguay est une étudiante de 19 ans à l'Université de Moncton en sciences politiques, en économie et en sciences de la gestion. On appelle ça un bac multidisciplinaire. Sue est présentement présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne française, la FJCF.
Ses implications provinciales débutèrent en 2013 au sein du conseil de direction de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, la FJFNB, l'organisme qu'elle a présidé de 2016 à 2018, tout en s'impliquant auprès de multiples causes connexes au fil du temps. Passionnée par l'art oratoire, la société, la politique et le droit, ces quatre derniers éléments servent régulièrement de propulsion vers des accomplissements nouveaux. Sue est originaire de Miramichi. Et ceux qui étaient ici en 2016, rappelez-vous, hein, on avait terminé un peu sur la même veine avec Joël Aymon et Jocelyn Leblanc, les deux boys en habit cravate, OK? Je trouve ça tellement spécial qu'on puisse donner la voix aux jeunes. Sue, je t'invite à venir nous rejoindre. Merci. L'identité finit par retomber sur la grande question « Qu'est-ce que être? » Les grands philosophes de ce monde n'ont pas su tous adhérer à une réponse et je ne prétendrai pas ce soir vous avoir la réponse. Mais j'aimerais quand même vous partager ma vision de l'identité. Sue Duguay, présidente, étudiante, femme, boursière, francophone, bilingue, artiste, oratrice, néo-brunswickoise, canadienne, acadienne, jeune, apprentie, mouton, sans opinion. L'identité, dirais-je humblement, est sujet carrefour pour ma génération. Sans non plus me prétendre porte-parole de celle-ci, mais de base avec Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, YouTube, Google, on me demande de m'identifier. On me demande mon nom, mon âge, mon adresse, mon sexe, de m'identifier. Sur mon profil Tinder, on me demande mon nom, mon âge et des photos qui m'identifient. Et mon passeport, quand ma génération voyage, on me demande mon nom, mon âge, mon adresse, mon visage et mes connaissances non parentes, question de m'identifier. En parallèle avec tout cela, on me dit de me trouver ma raison d'être. On me dit de par moi-même me définir. Tiré du dictionnaire Larousse en ligne, la définition du mot « définition », parce que je veux définir le verbe « définir », se lit comme suit. C'est le fait de déterminer les caractéristiques d'un concept, d'un mot, d'un objet, etc., ensemble des propriétés essentielles de quelque chose. Écoutez bien. Ensemble des propriétés essentielles de quelqu'un. En ce sens-là, voilà comment présenter la définition d'un individu, qui du fait même et son identité, car l'identité, c'est les propriétés essentielles d'un individu. Alors oui, mon identité m'est importante. Et oui, pour certains, pas seulement les millénaux, l'identité peut même être cruciale. Pourquoi? Je me prendrai comme exemple. Prenez-le de façon très humble, si ça vous plairait. Sue Duguay, présidente, étudiante, femme, boursière, francophone, bilingue, artiste, oratrice, néo-brunswickoise, canadienne, acadienne, jeune, apprentie, sans opinion. De sondage public, voilà comment on m'identifie, en provenance de gens, amis ou pas, des gens qui m'aiment ou qui m'aiment pas. Grâce à mon identité publique et personnelle, je peux me permettre de prendre la route vers une carrière, un salaire, un réseau. Plus spécifiquement, je peux me visualiser avocate, lobbyiste et bien plus encore. Dans un monde où on est constamment rappelé de nos actions, commentaires et surtout de nos erreurs, chaque petit détail à ce que l'on peut faire de mal selon l'opinion d'autrui, il serait bien d'arrêter de banaliser l'importance de l'identité. L'apprentissage de matière, comprenez-moi bien, c'est important. Cependant, si on peut non seulement l'apprendre, mais la comprendre et lui donner sens dans la vie de tous les jours, la matière prend alors tout son sens. Et de comprendre le quotidien, c'est de comprendre les gens. Le quotidien est question de social, de société et d'individu. En comprenant les gens et en y appliquant la matière, on maximise les opportunités. De savoir qui nous sommes dans cette foule de gens, et également d'être conscient que la vision de ma propre personne varie d'un individu à l'autre, c'est là la force de l'identité.
Je sais que chacun dans la salle ici me voit, chacune et chacun de façon différente. Vous n'avez pas la même vision et vous n'avez pas le même bagage de connaissances de la personne que je suis, de mon identité. J'ai la chance, par la diversité de mes implications, mes mentors, mon réseau, d'apprendre à me connaître au quotidien. Je suis consciente que pour certains, je semble être soudugué, apprenti, mouton, sans opinion. Mais j'ai la force de reconnaître mon identité et de m'y fier, d'y travailler à tous les jours, d'apprendre à me connaître et d'apprendre à connaître les gens qui sont autour de moi. Et je peux comprendre que ma perception de l'identité d'une autre personne n'est pas la seule version de son identification. Qu'en ce sens, je peux me permettre de maximiser les opportunités car je comprends les situations, ou du moins, je sais que je ne sais pas tout, mais j'essaie d'en comprendre plus. Notre quotidien est question sociale, société, d'individu. L'école se doit d'être plus d'une école, j'en parle à des convaincus. Chaque élève devrait pouvoir être conscient de l'identité, de la sienne et de celle des autres, de la variété des identités. Je parle ici d'identité personnelle, numérique, culturelle, linguistique, etc. Comprendre l'autre comme il et elle veut être compris, mais également savoir qu'il existe des faits. L'opinion a sa place, mais la vérité existe. La source de ce qui est vraiment existe. La personne qui sera mécanicienne dans la région ou gérante de relations internationales sera inconsciemment ou pas apte à savoir qu'on peut en comprendre plus. En d'autres mots, quand se pointera un problème, il ou elle saura qu'il existe explication. Et la compréhension suite à une explication, c'est de trouver la clé à une solution. Alors, je terminerai en vous lançant un message que j'ai porté lors de mon secondaire. Votre élève est élève, humain, apprenti, savant, enfant, etc. Et vous? Vous êtes élève, humain, apprenti, savant, enfant, etc. Comprenons-nous les uns les autres comme nous voulons être compris. Et c'est avec ça que commence l'identité et une meilleure société. Sur ce, il m'a fait plaisir d'être ici ce soir et je vous souhaite bonne fin de soirée et bonne fin d'événement. Soudugay! Bravo! Bravo! J'invite les cinq, venez-vous-en les cinq! Soudugay, Mira Auvergnat-Ringuette, Marie-André Ouimet, Christian Leblanc, Normand Brodeur. Regardez-moi ça. Merveilleux. Roberto, sauve-toi pas. Écoutez, Roberto, je t'inviterai peut-être pour conclure le tout. Ben, OK. Il nous laisse sortir. Merci encore. Bravo tout le monde. Oh. Quoi dire là-dessus? Moi, j'écoutais les gens parler, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a eu des gens du Québec, des gens de l'Ontario, une personne de l'Ontario, une personne du Nouveau-Brunswick. Il y a une francophonie qui se passe bien, là. Madame Bombardier peut aller se rhabiller, là. Et elle est là, puis elle est vivante, la francophonie. Et puis, il faut leur donner sa place. Puis, on a des gens à l'intérieur de la francophonie qui méritent de rayonner comme ce soir. Donc, à vous toutes, je vous dis merci, puis bravo. C'est excellent. Ouais. Euh,
C'est fini. Vous allez aller sur la route bientôt, donc évidemment, on vous demande de faire attention encore une fois. Il y a ce qu'on appelle un Claire 2019XX. Oui, il y a deux X. Et puis, non, il y a un X. Je vais bien dormir ce soir. Non. C'est pas un événement officiel organisé par Claire, mais habituellement à l'hôtel, les gens se rencontrent, je crois, c'est au bar L'Avalanche, si vous êtes au Best Western Plus, donc je vous encourage évidemment à vous rencontrer à ce moment-là. Évidemment, je vous demande de faire attention. On recommence demain à 9h, heure du Nouveau-Brunswick. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être là. On aimerait commencer vers 9h15 ou plus tard. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent prendre la route tout de suite après le repas du midi. Donc, par respect à ces gens-là, on vous demande, s'il vous plaît, d'être là demain. Donc, on a deux belles conférences qui sont préparées pour vous, planifiées pour vous. Évidemment, on aura à la place des bonbons, des aspirines. Non, c'est pas vrai. Il y aura du café, il y aura des muffins et des choses comme ça. Donc, évidemment, vous pourrez vous servir. Et puis, êtes-vous content de votre journée? Oui. Ouais? Moi, je suis content de vous autres. Comme vous êtes là encore, on a eu une longue journée aujourd'hui. Bon, quasiment, c'est plus que 12 heures, je pense. Hein? C'est un marathon. Et puis, comme un marathon, on est vraiment fiers, mais on est épuisé, on est fatigué. Mais ça, c'est un bon signe. Donc, encore une fois, je vous dis merci pour votre participation. On l'apprécie beaucoup. Merci à tous ceux et celles qui nous donnent un coup de main de faire en sorte que ça marche, que ça fonctionne. Les gars de technique, là, à l'avant et à l'arrière, chapeau, félicitations. On a l'image du canard qui flotte tranquillement, mais avec les pattes en arrière qui roulent vite. Donc, bravo, vous faites du beau travail. Et encore une fois, bravo à l'équipe du CHM. Je vous regardais aller tout à l'heure avec les épinglettes. C'est vraiment bien. Vous êtes le fun à voir. Puis, encore une fois, merci à vous de nous accueillir. Donc, bonne fin de soirée. Conduisez prudemment. Et bien, à demain.